Petit pousset du 4e tour de la Coupe de France dans la Ligue des Hauts-de-France, l'US Lofre Herchin défiera Fontaine-aux-Bois dimanche après-midi au stade François Urdi. Les 700 habitants du village comptent sur les 4 frères Francard pour créer à nouveau l'exploit et envoyer le club au 5e tour. Edmond Francard, 41 ans, attaquant. Jonathan Francard, 26 ans, poste numéro 10. Sébastien Francard, 37 ans, milieu défensif. Jérémy Francard, 39 ans, défenseur central. Alors on est tous peut-être un peu âgés, mais on a tous de l'expérience, on a tous joué à bon niveau. On est entre frères, cousins, vraiment amis proches. C'est vraiment un club familial. J'ai mon parrain qui joue avec nous. Et après, c'est que des amis qu'on connaît depuis longtemps qui seront venus au club. Et on a fait un club familial pour qu'on joue tous ensemble. Après, un travail d'appui là-bas. Et ici, un travail d'opposition avec des appuis et remise au milieu. C'est prendre du plaisir, s'amuser. On se connaît depuis longtemps et pour mes frères, depuis tout petit avec les autres. Et c'était refaire ce qu'on faisait en tournoi avant, le reproduire dans un club. Et c'est ce qu'on a créé ici à Lofre et on a fait quelques exploits depuis qu'on est arrivé ici. C'est compliqué de jouer avec ses frères. Parce que les autres, ils peuvent louper une passe, quoi qu'il arrive. Mais moi, dès que je vois que mon frère qui loupe devant, je le crie après une autre personne qui loupe, c'est pas grave. Mon frère, il me fait une mauvaise passe, c'est ça. On a tous la rage, en fait. On se connaît bien. On a l'habitude de jouer ensemble. Et voilà, on joue tous avec nos qualités, nos défauts. Et ça reste une bonne équipe. Même si bah, on est des frères, ouais. Après, même avec les autres coéquipiers, c'est bien, ouais. On est là, c'est pour se faire plaisir ensemble. Parce que quand on a commencé le football, déjà on a joué ici, vers 5-6 ans, on a commencé ici, dans le club-là, à Lofre. Et comme c'était un club de cœur, vu que mon père il s'occupait avec les anciens d'ici, et comme j'étais toujours bon, ça fait longtemps que je suis bon, que je suis un bon joueur, il voulait toujours que je revienne ici. Et c'est ce que j'ai fait pour mon père qui est en haut, pour tous ceux qui sont partis, et puis pour essayer de faire avancer le club. Cette saison, oui, on a fait un exploit. On est au 4e tour, là, contre une des 3. Et il y a 2 ans, on l'avait fait aussi en battant 2-3. Et malheureusement, on a perdu au 3e tour, donc... C'est une revanche pour nous cette année et on a un deuxième jeu de maillot à aller chercher. Encore, on est là. Tout le monde est content, tout le monde est fier parce qu'on est un petit club. Et après, on va tout faire pour passer, pour aller au 5e tour. C'est un challenge, tu joues contre des équipes qui sont plus fortes que nous en fait. Et puis ouais, c'est un challenge. Quand on joue au football, c'est pour gagner. Moi, je joue pas pour perdre. Comme mes frères, comme les amis qui sont là avec nous, dans l'équipe. Si tu veux jouer pour perdre ou quoi, joue pas. Je joue pas le dimanche après-midi, je joue le dimanche matin. Tout est possible, je veux dire. Même un petit peut battre un gros. On a battu au deuxième tour R1, qu'ils étaient en R3. Pourtant, on les a battus. Et il y a 3 ans, c'était pareil avec Annie chez Le Forêt. Ils étaient en R3, on les a battus quand même. Ça veut dire que on aime bien jouer quand des équipes qui sont plus haut comme ça, ça nous motive encore plus. Dès que le premier qui l'a commencé, qu'il arrive là, l'autre il enchaîne dessus. D'accord ? Dès qu'il y a plus deuxième. Non, on ne les connaît pas spécialement. S'ils sont là, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont le niveau des 3. Donc c'est à nous de se battre dimanche et de faire le nécessaire pour les battre. Jouer le match pour passer et aller au 5e tour. Bah ouais, c'est pas tout, on peut pas y aller tous les ans. Là, on a un tirage assez bien, donc faut essayer d'en profiter. On est des chiens, ouais. Des chiens et puis des occasions, on en aura, c'est sûr qu'on va marquer. Déjà, nous, après, c'est à nous de pas se prendre de but. Puis après, occasion, mes frères, ils vont marquer, c'est sûr, si c'est pas eux, c'est des autres. C'est sûr qu'on va marquer, tous les dimanches, on marque. Après, on encaisse des buts bêtes. Mais c'est pas grave, il faut corriger tout ça. Ouais, 8-0. C'est gagné, il n'y a pas de choix. C'est bien. Il faut recréer un exploit et pour être au 5e tour, le plus petit poussé. On a un petit village de 700 habitants, ouais, c'est de faire parler un peu le club et d'aller le plus loin possible pour faire parler du club.